Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Final Fantasy IX. Alors, dans la vidéo précédente, on avait quitté le groupe principal, hein, Jidan, Freja, Bibi et Quina, après leur défaite contre Beat à Blue Messia. Donc ça correspond, en fait, si vous jouez sur PlayStation 1, à la fin du CD1. Donc là, on est au début du CD2. Et le jeu donc se concentre maintenant sur l'autre partie du groupe, c'est-à-dire Daga et Steiner. Alors, on va commencer par parler au Mog. Mog Post, donner une lettre à Nazuna. Allez. Une lettre de Glimou pour moi. Je suis désolé de te l'avoir fait porter. Alors. Chaque fois que je regarde Marie, la serveuse qui travaille à temps partiel, son sourire triste me serre le cœur. Parce que j'y vois un amour malheureux. Nazuna, as-tu déjà été amoureuse de quelqu'un? Moi, je ne comprends pas encore vraiment le sens du mot amour. Alors que j'ai le cœur serré devant les amours malheureux des autres. Si je tombais amoureux d'une Mog, combien devrais-je en souffrir? Moi, je ne tomberai amoureuse de personne. Je m'en fiche de l'amour, je m'en fiche. Eh ben. Alors, voilà. Et du coup, peux-tu porter ma lettre à Mogovski? Voilà. Tu n'as pas une autre? T'as la peine autre. Voilà, bon, ça c'est pour continuer la quête des Mog. Alors, voyons la carte pour décider de notre prochain mouvement. Alors. Donc. Vous êtes à la gare du sommet. Ah, ok. Donc, on est là et. Donc, on est à mi-chemin entre Lindblom et Alexandria. Alexandrie, quoi. Allez, hop. On va essayer de repartir. Allez, on va parler un peu à tout le monde. Ah, bah lui, il veut jouer aux cartes. Les portes ne sont pas que des gares, les aéronefs y passent aussi. Maintenant elles sont fermées. Maintenant qu'elles sont fermées, on ne peut plus passer au-dessus. Allez, on va faire une petite partie pour voir un peu ce que. Si je suis pas trop rouillé. Bon oui, en fait dans ce jeu, que vous soyez rouillé ou pas, on s'en fout. Parce que j'ai jamais. Avec toutes ces lettres, ces chiffres. Quand c'était Final Fantasy VIII, c'était compréhensible. Et là, on comprend rien. Évidemment, c'est moi qui commence, donc j'ai un désavantage. Allez, vas-y. Voilà. Bon, ben ça. Ok. On va la prendre en dernier, celle-là. Ah bon. Ok. Oh putain de lui, oh, match nul. Putain. Bon, allez, on partit. Oh, il a fallu que la dernière carte qu'il ait, soit une carte qui. C'est pas grave, de toute façon, pas trop chercher à avoir le dernier mot. Bon. Ok. Ah bah ben voilà, elle est en faute. Du coup, on récupère. Sagin, le Yeti, voilà le Yeti on l'avait pas, bon bah on en a deux, bon, bon. Petite partie histoire de se détendre. Allez, alors toi, venir réparer les voies aussi loin dans la montagne c'est vraiment épuisant. Ouais. Bienvenue, qu'est-ce que je vous sers? Alors comment vont les affaires? À vrai dire elle marche trop bien. Oh, c'est bien ça. Quelle est votre spécialité? Je vous conseille notre tarte au maroilles. Ouais. La tarte au maroilles de la porte sud entière, c'est le soleil qui vous sourit. Découpé, c'est le paradis des fourmis. Un pont entre les mondes, sa tarte au maroilles. Et toi, une petite partie de carte? Ouais. Encore? Putain. Ah là. Je sais pas. Ah, forcément.
Putain, c'est pas vrai ça. Ah voilà, je suis mort. Ouf, j'ai réussi à accrocher le nul. Mais bon, vous voyez, c'est bien beau de jouer aux cartes au début, mais ils ont que des cartes de merde en fait, donc ça sert à rien. Ah, c'est des cartes qu'on a déjà, donc aucun intérêt quoi. Alors. Ouais, succube. Ok, il me l'a repris de suite. Voilà, je suis mal. Oh bah voilà, on gagne. Peste ou le choléra? Oh, la peste. Allez, c'est bon. Bon voilà, c'était pour vous détendre un petit peu, 5 minutes. Alors donc, au-delà des frontières, c'est un autre monde, pensez à vous équiper. Ah, ça devient intéressant. Aéromassu, on n'en a pas. On prend mid bateau, on n'en a pas. On prend... Je vais en prendre deux. On a des sous. Parmite, chapeau pointu, le casque, la tricorne, le gomme en mètre, l'armette de fer. Barbuta, bon, je l'avais acheté exprès, mais du coup, c'est bon. Arlastro, armure de lait, et après, bon, ça part dans les objets. Bon, alors, équipement. Voilà, c'est clair que. Et du boulot, ah ben on peut rien lui mettre, c'est dommage. Bon, on va commencer par celui à 15. Toi, tu as quoi là? Tu as Germina, bon, Germina aussi. C'est sûrement celle que on a trouvé. Alors, Erin, top, top. Ouais, c'est clair qu'eux, il va falloir un peu les entraîner, hein, c'est la crise. Mais bon. Alors, toi. Le train d'Alexandrie ne va pas tarder. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est le train Lindblom qui démarre. Attendez-moi, je dois monter. Tu sais, cette voix me dit quelque chose. Alors là, il y a un coffre. Je vais le voir. René. Allez, on va aller voir. Donc, c'est une voix qu'on connaît bien. Bon, nous, on n'a pas le son de la voix. Mais vu qu'il met des aides de partout, alors. Je veux dire, t'aurais pas voulu regarder le paysage en mangeant de la tarte au marois et on n'en serait pas là. On va être en retard. On n'y peut rien, tu voulais pas que le chef le sache. Merci, tu m'aides beaucoup. Voilà, comme il met des aides de partout, on sait que c'est lui quoi. Puisque c'est ça, je vais reprendre une tarte au marois. Ben voyons. Donc là, Marcus et Sina sont ici, à la plus grande surprise de la princesse. Alors, on regarde s'il y a rien à gratter. Non. Ah, c'est la carte. Ah, oh, ça va, ça va. Ta carte, là. Toi. Bienvenue à la gare du Samé. Vous savez comment marchent les trains? Ouais, tu vas me dire la brume. Tant mieux, on gagnera du temps, vous pouvez attendre là-bas. Ah merde, j'ai oublié. Ouais, c'est l'autre que je voulais dire. C'est embêtant ça. Le chemin de fer évitant, symbolise l'amitié entre Lindblom et Alexandrie. Il fonctionne à l'énergie brumique, forcément. Mise au point à Lindblom, mais il tracte deux trains. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas, et tout cela fonctionne grâce à la gravité. Voilà, ouais, c'est intéressant. En gros, vous pouvez pas avoir les deux trains. Quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. Et quand l'autre il descend, forcément l'autre monte. Alors, Marie l'apprentie, c'est plus calme ici, il y a trop d'hommes dans la salle d'attente. J'aurais bien aimé rester avec lui, mais je dois travailler. Alors, est-ce que tu joues, toi? Excusez-moi, je n'ai pas de carte sur moi. Ah! Il y a le... C'est un truc de fou, ça. Elle a le symbole des cartes, mais on peut pas jouer aux cartes. Ok. Bon. Tant pis. Brigand. Ah. Vous cherchez encore à enlever la princesse, avouez-le. C'est qui ce type à ressort? Ne me dites pas que vous avez oublié.
Tu l'as oublié? C'est le chef des Brutos. Ah, je me souviens, le chevalier qui joue comme un pied. Surveillez votre langage. Vous êtes Marcus, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Mais c'est la princesse, je veux dire, c'est à moi de vous le demander. Hein? Pour une surprise, qu'est-ce que vous faites là, princesse? On est sorti de la forêt maudite et... Princesse, vous ne devez pas parler à des individus pareils. Donc là, on va aller parler à Steiner. Princesse, ok. Steiner, taisez-vous. Pourquoi? Vous voudriez que je ne parle pas à des amis que je retrouve? Les amis, c'est... Adelbert Steiner. À vos ordres. Sacré dagua, elle est en colère. Il faut pas faire pleurer les chevaliers. Le train pour Alexandrie entre en gare. Il arrive. Et tu dois aller à Lindblom. Je sais bien, mais toi tu vas à Alexandrie. Enfin, je vais à Trino. Je t'accompagne sur le quai. Donc il y en a un qui va à Lindblom, mais Marcus va à Trino. Lui, elle se dit à Trino? Steiner, allons-y. Steiner, seriez-vous fâché? Non, pas du tout. Vous aviez parfaitement raison. Et Steiner, il est un peu mal pris quand même. Hein? Mais bon, je te dis, c'est la princesse. Qu'est-ce que je peux pas lutter? Mais il est un peu mal pris qu'elle prenne le parti des brigands, entre guillemets, plutôt que le sien, quoi. Sois prudent surtout. T'inquiète pas, je ramènerai le frangin. Le frangin? Pourquoi Marcus va-t-il à Traîneau? Vous y allez aussi, princesse? Marcus a un travail à faire là-bas. C'est-à-dire. Le train pour Alexandrie va partir, attention au départ. Vite, princesse, montez. Vite, princesse, montons. Ah bon, ok. Et toi? Le train pour Alexandrie va partir, attention au départ. Bon. Donc du coup, il part à Trino, on ne sait pas encore pourquoi. Et la princesse, ça l'intrigue, elle se dit, il doit y avoir quelque chose, c'est bizarre. Attention au départ. Ok, vous allez vous regarder pendant un moment. Taille. Marcus, pourquoi allez-vous à Trino? Pour sauver le frangin. Qui est le frangin? Je veux dire, quand je parle du frangin, je parle de Franck. On a cherché un moyen de le tirer de là. Il paraît qu'à Traîneau, ils ont ce qu'il faut, ça s'appelle une aiguille platine. Et Sina? Il retourne à Lindblom pour prévenir les Tantalas. Je vois. Je veux dire, c'est à moi de vous poser des questions. Comment ça? Où est Jidan? Nous nous sommes séparés à Lindblom. Je vois. Vous êtes du genre merci pour tout et adieu, c'est ça? Ouf, là il prend pas de gants, Marcus, hein? Mais non, pas du tout, vous me traitez tous comme une enfant, ça commence à bien faire. C'est vrai qu'elle a un sale caractère, hein, la princesse. Mais bon, c'est une princesse, donc forcément, quand on est un prince ou une princesse, on commence à avoir un peu la grosse tête. Je ne sais pas où il est. Je vois. Je veux dire, moi non plus, je sais pas. Joue pas aux cartes? Marcus, ne pourrais-je pas vous aider? Pourquoi faire? Je me sens responsable. Je pourrais vous aider à trouver une aiguille platine. C'est pas la peine. Je veux dire, j'y arriverai tout seul. Mais plus on est nombreux et... Ah, que se passe-t-il? Vous voyez que Steiner, il a pas parlé une seule fois. Hein. Il fait un peu la moue dans son coin. Sûrement une panne, je vais voir. Bon, là, il pousse un cri. Hein. Je vais pas crier. Un monstre. Il y a un monstre avec un chapeau pointu sur les rails. Un monstre avec un chapeau pointu. Alors ils se disent, c'est peut-être un valseur numéro 4. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, si vous vous rappelez bien, Jidan a dit qu'il n'y avait que 3 valseurs. Hein. Donc ça peut pas être le numéro 4. C'est encore le numéro 3 qui fait des siennes. Mission capturer princesse vivante. C'est celui que nous avons vu à l'aérocargo. Monstre, cette fois tu ne m'échapperas pas. Steiner, attendez. J'ai une question à vous poser. Pourquoi me poursuivez-vous? Princesse, il est dangereux, reculez. Mission, capturer princesse vivante. C'est pas la peine, il comprend rien. Non. Effacer, gêneur.
Donc là, on affronte un boss d'entrée, le valseur numéro 3 qui revient donc pour accomplir sa mission. Alors ce combat est un petit peu particulier dans le sens où, si mes souvenirs sont bons, le boss n'attaquera jamais Daga. Jamais. Donc on va en profiter. Alors on va quand même un petit peu soigner Marcus, ouais, ça va, on a le temps. Foudre canne, ah bah ça commence bien. Mais c'est pas l'objet le plus dur à récupérer sur lui. Chapeau pointu, ah bah c'est cool, 2 sur 2. Tiens, un petit coup histoire de... Tétanie. Ah, Tétanie, il me semble que ça fait rien sur le coup, mais à la moindre attaque, il me tue un coup. Ah merde, il m'a carrément... J'ai pas Isuna là. Non, merde. Bon, bah, je peux rien faire en fait. Max Stenner en défense. Est-ce que j'ai un objet contre... Peut-être l'Euromède. Je pense pas que ça marche à l'Euromède, mais bon. Vu que je peux rien faire, plutôt que rien faire, on va essayer ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça marche pas. Ouais, bon, bah je peux rien faire. Hein. C'est la première fois qu'il me fait des tannis. Oh, bah voilà. Ma foi. Putain, j'étais bien parti là, 2 sur 2 là. Voilà, peut-être qu'il me l'avait fait par le passé, mais ça n'avait pas marqué. Allez, on va faire un petit soin. Allez, Marcus, assure là. Bon foudre. Bon, tu m'étonnes. Bon, ben voilà, on est parti pour un combat très long, alors je vais accélérer. C'est rapide, c'est rapide. Allez, c'est parti. Voilà. Oh putain, canne de feu. Bon, ben je l'ai eu, je m'attendais pas. Voilà, donc on a volé la canne de feu au boss. Je pensais pas. Donc il n'a plus rien. Donc foudre canne, chapeau pointu et canne de feu. Canne de feu qui permettra à Bibi d'apprendre brasier plus. Ah, c'est cool. Et Marcus, il a volé et plus de facilité que Jidan. C'est bizarre. Alors, un petit truc que j'allais dire rigolo, c'est que si Steiner et Marcus meurent durant ce combat, donc si les deux sont à terre et qu'il reste plus que Daga, eh ben le boss va s'attaquer lui-même. Il va s'envoyer des trucs sur lui-même parce qu'il n'attaquera jamais la princesse. Donc, une fois que vous avez tout volé, si vous avez quelque chose à faire, vous prenez, vous mettez le jeu en vitesse rapide et vous laissez faire le boss qui va tuer tout, enfin, qui va tuer Stenner, qui va tuer Marcus et qui va se tuer tout seul et Daga remportera le combat. Bon, bon, c'était une petite parenthèse quoi. Pourquoi? Comment? Comment a-t-il pu devenir ainsi, princesse? Je veux dire qu'il paraît que Blue Messia a été attaqué par des mages noirs. Je sais. Bon, elle le prend cool, là. Elle est pas apeurée, quoi. Bon, ils ont été attaqués par des mages noirs. Ouais, je sais, je sais. Des trucs comme celui qu'on vient de voir ont assassiné les habitants. Qui a osé attaquer Blue Messia? T'en sais vraiment rien? Qu'est-ce que tu veux dire? Stenner, ça suffit. Je sais déjà tout cela. Donc là, bon, on se dit quand même que même si elle le sait, elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête quand même, la princesse. Elle sait très bien que c'est sa mère. Princesse, nous serons bientôt à Alexandrie. Nous irons au château et je verrai mère. Elle m'expliquera sûrement. Ouais. Ou pas.
nous devrions bientôt arriver. Je veux dire, vous saviez qu'Alexandrie avait envahi Blue Messia? Bien sûr, je ne suis pas Stener. Je veux dire, vous avez changé. Moi? Vous voulez parler de mon langage? Pas seulement. C'est vrai. Il m'est arrivé tant de choses. Au fait, j'y pense. Qu'est-ce qui se passe? Je sais me battre maintenant. Je ne vous dérangerai plus. Comment ça? Pour sauver Franck, c'est bien pour ça que vous allez à Traîneau. J'ai pas le choix. Même si je refuse, vous viendrez. C'est décidé. Nous vous accompagnons à Traîneau. Je me demande comment est la ville. Finalement, elle a peut-être pas changé autant que je croyais. Ah, qu'elle ait une idée en tête, Daga, c'est... Mais bon, ça part d'un bon sentiment. Franck, il s'est sacrifié pour l'aider. Il a contribué à sa fuite du château. Donc elle veut l'aider. C'est compréhensible. Soyez prudente. Et puis, ben, c'est bon pour le scénario. Par la même occasion, ça nous évite d'aller à Alexandrie. Et ça nous permet d'aller à Traîneau, quoi. Alors, il y a une fourche plus haut. La route de droite va à Traîneau. Celle de gauche à Dali. Allez. Donc vous avez vu, à gauche Dali, à droite Traîneau. On va aller là. Vous êtes à la gare d'Alexandrie. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un truc à gratter quelque part? Toi. Marie l'apprenti, encore toi. Bon, toi, il n'y a rien à gratter. Tu joues aux cartes maintenant ou tu as des. Ah, elle a des cartes maintenant. Je ne suis pas très forte, mais je veux bien faire une partie. Allez alors. Bah go, hein. On prend toujours les mêmes. Attention, dès qu'il y en a plus, je change de carte. Hein. Moi, je joue qu'avec les doubles de toute façon. Alors. On va faire ça. Ok, ça commence mal. Ok. C'est très mauvais. Heureusement, on va faire ça. Alors. Voilà. Ils ont tous des cartes de merde. Hein. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je suis fort. Non, mais c'est nul. Et je veux dire. Je sais même pas quoi prendre. Allez, je prends le sucre. Ouais, c'est bon, tiens. Bon, voilà, petite partie. Qu'est-ce qui est marqué? Quincaillerie Vega, tout pour réussir votre ascension. Allez. Hop. Alors, donc, gauche Dali et droite Traîneau. Notre amitié sera jamais célébrée. Cid Fabre 8, 11e roi de Lindblom. Le Belkmer est le fruit d'une collaboration entre Alexandrie et Lindblom pour célébrer 20 ans d'entente parfaite entre ces deux pays. Donc ils vous disent qu'ils sont alliés, Lindblom et Alexandrie depuis 20 ans. Depuis 20 ans, 30 ans. 20 ans. Et d'un coup, la reine semble plus énervée que par le passé. Hein. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas ses motivations en fait pour l'instant. Donc on progresse dans l'histoire et on va voir. Donc, nous sommes en route pour Dali. Par là, c'est Dali, Traîneau, l'autre côté. Bon, tu m'ouvres, hein? Vous avez un laissez-passer, c'est bon, je vous ouvre. Alors, pourquoi je vais à Dali? Tout simplement pour récupérer un petit coffre. Alors, on va sûrement se frapper un combat. Bon allez, au pire on le fera, c'est pas grave. J'allais enlever les combats, mais bon. Allez, on va faire quelques combats. Ah, c'est vrai que j'ai volé le Aubert à Bit. Essayez. C'est incroyable qu'avec tout le chemin qu'on a fait depuis le passage à Dali. Et on est de retour à Dali, en 2-2 quoi. Bon, s'il y a un autre combat, j'accélérerai la vitesse parce que on va pas perdre du temps en faisant des combats à la con. Alors le Aubert, juste par curiosité. Ah bah ouais, mais non, l'Aubert c'est quoi? C'est ça? Non plus. Alors, c'est quoi l'Aubert? C'est pas pour toi l'Aubert? Ah non, ça doit être pour Jidan, je pense. Bon, c'est pas grave. On a volé quoi? On a chapeau pointu, foudre canne, et là c'était canne de feu. Bon, y'a rien alors. Ouais, bon. Ah, c'est pas grave. Allez.
Donc, retour à Dali. Je suis venu il y a peu, mais il me semble que c'était il y a bien longtemps. Et ouais. Bon, là, il n'y a rien. Je veux juste voir si le Mog, il veut faire quelque chose. Mog. T'es sûr, t'as rien? T'es sûr, t'as rien? Bon, allez, ça va. Ok, hop. Donc, le coffre en question que je voulais récupérer, il est là-bas. Bah, ça, je me rappelle, c'est les petits trucs. Bon, vous voyez, elle est là. Et donc, du coup, vous prenez. Oh, putain, pas là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, coup double. C'est pas vrai, ça. Bon, c'est pas grave. On va mettre la vitesse. Hop, vitesse serrée. Allez. Et ouais, comme je joue avec le joystick, des fois, c'est pas pourquoi. Et on peut pas. Non. Il m'oblige à refaire tout le chemin. Oula. Oh, c'est dur de jouer avec la vitesse, ça. Bah, je vais l'enlever, c'est injouable. Hop. Voilà. Là. Et donc, il y a un coffre. T'es déjà venu, toi? Il n'y a rien à voir par ici. Il y a encore un an, c'était un superbe champ, hein, par ici. Maintenant, ils ont tout détruit pour aller travailler sous la terre. Ça, c'est. Les anciens du village, hein. Eux, pour eux, ils ont toujours vécu en cultivant, en travaillant la terre. Et d'un coup, ils se sont mis à travailler sous terre. C'est une idée de la reine Branette. Tu trouves pas ça stupide? Si, si, je suis tout à fait de votre avis. Je ferai ce qu'il faut pour qu'on puisse revoir un gigantesque champ comme avant. Je m'en doutais, t'es vraiment bizarre, hein. Allez, on prend notre coffre. Élixir. Voilà. Bon. C'est juste un petit coffre en plus, quoi. Allez, cette fois-ci, on peut repartir. Alors, on va mettre la vitesse encore. Ah. Bon, je suis dans la forêt, combat contre des vrais ennemis. Donc, en route pour Traîneau. Donc, maintenant, notre objectif. On est plus de rejoindre Alexandrie pour savoir ce que la reine a en tête, mais j'ai appris un tombeau qui est. On va voir si on peut pas lui mettre autre chose. Voilà, prudence, c'est bien. Donc l'objectif c'est de sauver Franck. Allez, on enlève la vitesse, ça rend fou. Voilà, surtout qu'il n'y a pas de combat pour l'instant. Et en route pour Traîneau. Hop, là, il n'y a pas un truc là. Ouais, petit coffre. Oh, de l'argent. Une fois de l'autre côté, Traîneau n'est plus très loin. Oh, vous allez à Traîneau pour jouer aux cartes? Allez, hein. Comme s'il savait pas que c'est la princesse. Mais bon. Aïe aïe aïe. Encore ces cartes. Putain, changez-les. Donnez-moi d'autres cartes. Putain. C'est nul ça. Alors. Allez, on va prendre un peu de risque. Oh, il va pas me refiler toutes ces merdes. Oh, si. Ah, ouais, sans faute. Oh. Que des merdes. Bon, c'est pas grave. On aurait essayé. Allez. Et il faut que le pont-levis soit baissé pour pouvoir passer. Eh ben, baissez-le, mon ami. Vous avez un laissez-passer, c'est bon, allez-y. Eh, laissez-passer. Voilà, merci. Soyez prudente. Et donc on rejoint une autre partie de la carte. Alors on va remettre. Ah, ben c'est lui que je cherchais en fait. Si vous vous souvenez bien, on nous a dit l'ennemi qui se trouvait dans la forêt de Dali.
nous a dit essayer de trouver Fantôme. Eh ben il est là, Fantôme. Alors. Alors, il veut des gemmes. On va lui en donner. Ah, juste une. Vous êtes très gentil. Donnez-en aussi à Miskoski. Bon. Voici le prochain gentil monstre qu'il faudra qu'on trouve, c'est Miskoski. Allez, 10 points de compétence. Eh bien. Ah, bon, ça me donne une maxi potion, il est gentil. Bon, mais ben, c'est surtout que ça m'évite de chercher pendant un moment. Alors, on a appris Mithridate. Non, il n'y a rien d'autre. Herboriste. Voilà. Allez, on va save quand même, de temps en temps. Si jamais. On va sauvegarder là. Voilà. Et on va rentrer dans la ville de Traîneau. Alors il y aura pas mal de choses à faire, mais j'espère ne rien oublier. C'est parti. Traîneau, la ville nocturne. Voilà, princesse, c'est Traîneau, la ville des nobles. Nous devrions nous renseigner sur l'aiguille platine. Les nobles ne sont qu'une minorité à Traîneau. Ici, la nuit est longue et les voleurs en profitent. Ce sont des voyous comme toi qui ont corrompu cette belle ville nocturne. C'est pas le moment de discuter, on doit se dépêcher de piquer une aiguille platine dans une maison de nobles. Eh ouais, parce qu'ils comptent pas l'acheter, l'aiguille platine. Hein. Il veut la... Il veut la voler, hein. Quoi, piquer? Tu es un vrai bandit, hein. Comment oses-tu voler sous mes yeux? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir une aiguille platine, d'après vous? Tais-toi, en tout cas, je ne peux pas te laisser en voler une. Alors, si vous êtes observateur, vous voyez que le mec tout à gauche, là, qui a l'air louche, suit la princesse du regard depuis que nous sommes entrés. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je crois que vous cherchez à critiquer mon métier. En effet. Il faut y aller. Attends, je n'ai pas fini. Mais la princesse est partie toute seule. Ne dis pas n'importe quoi. Il ne faut absolument pas que la princesse fréquente ce type de voleur. Eh, hey, princesse. Et voilà, j'ai de moins en moins confiance en moi. Ça fait 18 ans que je suis chevalier, pourquoi dois-je subir un affront pareil? Mais tout ça, c'est de votre faute. Bon, l'autre aussi, il est parti. Hein? Il n'y a plus personne? Non, je suis un honorable chevalier d'Alexandrie, je dois me retenir, je dois d'abord retrouver la princesse. Alors, ah ben, on va commencer par ça. Spécialité. Arrête. Un voleur, je savais qu'il y avait beaucoup. Et là, il m'a taxé. Hein? Ah. On a volé 1000 gils à Daga. Putain, Daga, t'as pas assuré. Voyou. Eh, hey, monsieur le chevalier, qu'est-ce que tu cherches ici? Bon, 1000 gils, en fait. S'en fout. Ouais. Par quoi je vais commencer? Alors, je vais commencer par parler à tout le monde. Ah, super. Je t'ai déjà vu quelque part, toi. Tu es pas le frère à... Ah, je sais pas. Ou alors, c'est peut-être la barbe. On est obligé de porter la même moustache dans cette ville pour les soldats. Moi, ouais, je sais pas. Ils sont pas foulés, quoi. Alors, toi, le baron. La vue est très belle d'ici. La baronne. Oh, c'est magnifique, mais ce quartier me fait un peu peur. Ne vous inquiétez pas, ma chère, je serai toujours avec vous. Oh, c'est bien ça. Allez-vous-en, ne nous dérangez pas. Ouf, il m'a envoyé chier. Alors, la fontaine. Lancer des pièces. Alors là, c'est une quête un peu con. C'est pas une quête, hein, c'est une... Bon, un petit truc. Il faut lancer des pièces. Voilà. Et donc, il faut en lancer un certain nombre jusqu'à obtenir un objet. Bon, tout simplement, faut pas aller chercher trop loin. Après, il va dire qu'il y a une forme qui apparaît dans l'eau, mais bon, je sais plus quand c'est. Alors, je sais pas, peut-être que je pourrais mettre vitesse, mais bon, on n'est pas pressé non plus. Hein. On est là pour reprendre du plaisir.
avec ce magnifique jeu. Ah, une pièce de forme différente vient d'apparaître. Les Gémeaux. Voilà, et ça, c'est une pierre stellaire. Bon, le Grand Kubo qu'on a eu. Et les Gémeaux. Les Gémeaux eurent l'idée de lui envoyer une chanson. Ils ne savaient pas où était la Vierge, mais ils voulaient tant qu'elle l'entende. Allez. Alors, on va passer par là. Ah, ouais, la poursuite. C'est trop facile, j'ai gagné assez d'argent dans cette ville aussi. Hein? C'est pas vrai. Eh ouais, elle a capté que c'était lui, hein? Où a-t-il disparu? J'aurais dû faire attention au voleur. J'ai pas fait attention tout à l'heure, mais c'est une vraie beauté, hein? T'aurais pas dû te promener toute seule la nuit, hein? Je vais préparer mon prochain voyage à l'argent volé. Alors. Où est-il parti? Ah, ça me fait penser. Attendez. Bon. Ah voilà, je ne pourrais pas quitter la ville sans princesse. Ah ouais, pardon. On verra plus tard. Ensuite, donc, on va aller par là. Qu'est-ce qu'on a là? Cette tour est toujours fermée. C'est très bizarre, ça sent l'affaire louche. Là, il y a un coffre. Middag. Ça, c'est bien, c'est pour Jidan. La porte est verrouillée. Allez, on s'en va. On va descendre. Alors. Ben, on va mettre ambition. Écoute, Mario, depuis toujours, on dit que Traino est une ville des nobles, mais c'est un mensonge. Les nobles exploitent le peuple, c'est ça, Nathalie? Tout à fait, Mario. Ils nous exploitent, ils nous pressent. Ils ont accaparé tous les terrains au bord de l'eau et nous ont poussés dans cet endroit misérable. Les nobles sont despotiques, c'est ça? Absolument. Mais écoute, Mario, ça sert à rien de se plaindre comme les pauvres habitants ici, d'ici. J'ai compris, on devrait prendre le pouvoir, c'est ça, Nathalie? Exactement, il faut prendre le pouvoir. Si tu penses que les nobles t'exploitent, il faut devenir noble. Comme ça, on n'aura plus de soucis d'argent, on pourra vivre heureux. Suis-moi, Mario. Eh, la gamine, hein? Je m'inquiète de l'avenir de ces deux petits. Ah, c'est clair, fité. Alors. Aventurier traîneau, une mine d'objets. On y trouve pas de... Bon, je vais chercher ce truc-là. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas le temps de bavarder avec quelqu'un comme vous. Ok. C'est fantastique. Je souhaite que quelqu'un m'y amène encore l'année prochaine. Comment trouvez-vous Traîneau? On y est bien, n'est-ce pas? On va aller là. Allez. On va aller là. Cette ville a l'air dangereuse? Non, elle a l'air dangereuse, non? Bon, enfin, cette ville a l'air dangereuse. Mais il est temps de trouver une aiguille platine et de rentrer à Alexandrie. Je crois... Je n'en trouverai pas par ici. Ouais, elle voit l'autre qui est complètement sous là-haut. Elle dit... Non, on va aller ailleurs. Hein. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me dire où trouver une aiguille platine? Quoi? Ma femme est morte il y a 3 ans. Je cherche un remède appelé aiguille platine capable de soigner les gens pétrifiés. Ah, c'est très gentil, je vous remercie. J'ai 96 ans, mais je suis toujours en pleine forme. Ah, on peut pas trop répondre quelque chose. Merci beaucoup. Bon courage, Jumbo. Discussion de sourds. Alors. Toi, tu t'appelles comment? Allez. Alors on va aller par là. Quatre bras, qu'est-ce que tu veux? Vous n'avez pas vu par hasard une belle prince, une belle fille? Non, je n'ai pas vu de jolie fille aux cheveux longs attachés. Quoi? Comment sais-tu qu'elle a des cheveux longs attachés? Non, je me suis trompé, j'ai pas dit que je lui avais piqué de l'argent. Quoi? Prends ça, c'est une bonne force, c'est pour toi.
Pardonnez-moi. Ah, je l'ai perdu. Bon. Bah, on a obtenu un objet, banc de force. Alors, je crois que c'est dans les trucs là, là. Ouf. Contre-attaque, attaque à MP. Donc, c'est un bon plan, ça. On le mettra après. Allez, on va repartir. Mais d'abord, on va aller faire un tour par là. Cette maison appartient au fou. Il se passionne pour les sciences et aide financièrement beaucoup de savants. Il est forgeron par passe-temps et il prête une tour près d'ici à un savant. Je ne comprends pas à quoi pensent les riches. Bonjour. Alors, canif, gelé. Organix? J'ai pas. Ah ouais. Bon, organix, j'ai pas. Ouais. Desert Boots, ouais, c'est Bibi qui l'a. Ah oui, mais ouais, je suis bête. Organix, c'est parce que Jidan, il est équipé avec. C'est sûrement ça. Mais je crois. Desert Boots, Jaune Lard. Ouais, boucle pure, Germina. Ah, Diadème, je l'ai pas par contre. Coraline, chaîne en or. Non, chaîne d'or. Chaîne d'or, chaîne d'or, chaîne d'or. Chaîne d'or, je crois pas que je l'ai, chaîne d'or. Bon, allez, là, au moins maintenant je l'aurai. Alors, ça peut être pratique pour Big Dragon. Hein. Vous prenez 2-3 corallines et après vous êtes tranquille. Autopotion. Non, je l'ai pas, je l'avais pas, chaîne d'or. Allez. Donc là, ça c'est bon. Allez, on se casse. Ah oui, c'est vrai, c'est pour écouter la discussion. J'ai entendu dire qu'on mettrait une boom bag au prochain camp, c'est très attendu. Une boom bag, ça m'intéresse beaucoup. Si l'objet est très attendu, il risque d'être très cher. Non, si les autres acheteurs investissent leur gisent dans d'autres marchandises, nous pouvons l'avoir à un bon prix. Dans la plupart des cas, ce sont plutôt les acheteurs assis au premier rang qui font augmenter les prix. Il va falloir détourner leur passion. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour savoir ce qu'ils vont mettre à vendre. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore vu. Alors si on monte un peu, vous allez voir. Toi aussi, tu as apporté une pierre stellaire à la dame, mais c'est une fausse. Non, tu ne pourras pas tricher avec elle. Elle ne s'est pas faite avoir pour mon imitation. Donc elle, c'est la femme qui récolte les pierres stellaires. Donc faut parler à elle. Si vous trouvez une pierre stellaire, en récompense, vous aurez un beau trésor. Donc on va lui donner. Alors j'appuie un peu vite. Nous collectionnons les pierres stellaires. Vous avez le cancer, voudriez-vous l'échanger? Donc on dit oui. Ma domestique vous donnera une belle récompense. 1000 gils. Vous avez les gémeaux. Allez, on te le donne. Donc là, voilà. La quête prend tout son sens là, puisque c'est à elle qu'il faut lui donner les pierres stellaires. Résurrex. Bon, c'est nul. J'ai le bélier. J'en ai que 3 de toute façon. Non, j'en ai peut-être 4, hein, non? J'ai le scorpion aussi. 2000 gils. Ah ouais, j'ai pas le scorpion. Ah non, c'est vrai que je suis pas allé le chercher. C'est après que j'irai. Alors. Donc là, bon, ça c'est beau. Hop. Alors attendez. T'as un truc là par là déjà? Non. Hein. Ah si. Voilà. Ça, je m'en souviens. C'est bon. Ah, hop, 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 hop. On a d'autres ATE, mais pour moi, je peux pas les voir. Donc ici, plus tard, on jouera au Tetra Master, donc aux cartes. Cette fois-ci, c'est sûr, je vais gagner de nouvelles cartes. C'est assez, papa. Maman sera en colère. Bon, ok. Allez, on va passer par là. Ah, une ATE. Allez, on mettra existence. 900 gils. Ah, c'est ici la salle des ventes. On pourrait peut-être trouver une aiguille platine ici. Qui y a là-haut? Vous avez vu qui c'était? C'est pas moi qui appuyais. Hein, mais c'était Kuja, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu. Ah, bah il y a un Mog qui était planqué.
Donc toi, ah, tu joues aux cartes, toi. Quand j'étais jeune, j'étais l'un des meilleurs joueurs de la salle de jeu. Alors, on va parler au Mog, qui s'appelle Mogrich. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Alors, j'ai pas une carte pour... Ah non, j'ai rien pour toi. Une lettre de Steelskin est arrivée, veux-tu la lire? On va la lire ensemble. La ville de la pluie n'en aurait plus pour longtemps. Des gens partent vers le désert de Boubi. Qu'est-ce qui les amène dans un endroit pareil? Il n'y a que des tempêtes de sable, rien d'autre. Ceci dit, j'y vais aussi. Donc, Steelskin sera dans la ville à Clara, quoi, tout simplement. Désert de Boubi, on dirait que le trajet sera long. Je t'admire, Steelskin. Non. Ah, ça va. Ok. Allez, alors, on va aller par là. On va aller parler à lui. Visiter la belle ville de Tréneau, les riches jouent au bord de l'eau jour et nuit, et moi je traîne dans la rue toute la journée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, retrouvaille. Hey, mon vieux, c'en est où de ce que je t'avais demandé? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais c'est toi, Marcus, j'avais pas reconnu ta sale gueule. Oh putain, tu changes pas, mon vieux. Au fait, dépêche-toi, le chef t'attend. Donc là, c'est la mini planque de traîneau, on va dire. Pardon, chef, j'ai eu beaucoup à faire. Ça ne te ressemble pas de t'excuser. À propos, tout est prêt. Oh super, vous avez trouvé une aiguille platine? Oui, dans une maison de noble. On s'y introduit ce soir par bateau. Faites-moi confiance, je suis le seul à pouvoir sauver Franck. Même si tu veux aller sauver Franck tout seul, il y en a deux qui t'accompagneront. Donc là, il a déjà trouvé l'aiguille de platine, donc ça va être la suite de l'histoire. Alors, on va repartir par là-bas. Hop, on va aller voir ce qu'il y a là. Bon, moi je sais, hein, c'est le magasin, non? Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a un monstre en dessous. Alors, la vieille, qu'est-ce que tu veux? Bah, c'est quoi le monstre en bas? C'est la mascotte du cavalier, le propriétaire de cette maison. Le cavalier aime bien voir que son monstre bat ceux qui jouent les gros bras. Alors, on va faire des affaires. Mi-TP. Donc, vous voyez la mi-TP que je n'ai pas réussi à voler à Bit. Elle se trouve dans la ville juste après. Donc, si vous en avez le courage, parce qu'il faut vraiment du courage. Vous pouvez bien évidemment tenter de lui voler pour gagner quelques minutes, je crois, du jeu. Mais sinon, vous pouvez la trouver ici et je pense que c'est bien plus simple. Alors, hop, hop, hop. Alors, canne de feu. Ah, la foudre canne. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que la foudre canne plus, je sais, le bâton, je crois. Tu vends des bâtons? Non, tu vends pas. Nous permet. Nous aurait permis d'obtenir des corallines. Alors, canne de feu, canne de glace, foudre canne, fourchette, fourchette plus, cuirnier, on a 6. Au sumelé, on n'en a pas. Allez, on va. Non, on va en prendre 3. Paramite, la tricorne, alors voilà. Le bandana. Ah, le bandana, c'est bien ça. On va en prendre 2. Je crois que c'est booster, bandana. Mais je suis plus trop sûr. Tellement longtemps. L'aubert qu'on a volé également, il y en a un là, donc ça prouve que ça sert à rien. Armure de lait, on en a usé une, on en rachète une. La cote, on en a pas, on en prend 2. Et voilà, c'est tout. Bon. Alors, on va repartir d'en haut. Donc 4, 2, 3, 1. Bon, celle-là, c'est Fredja qui l'a. 2, 2, 1. Bon, 0, c'est Bibi. 2, 1, 0, c'est Quina. Qui en est 6, 2. 3, 1. Mais c'est nul ça en fait, hein, le paramètre, mais bon. 3, 1, Arbita, la souris, l'instant, beurre, armure de lait. Allez, c'est bon. Alors, mon petit Steiner, qu'est-ce que tu as mis TP? Voilà. Prépare. Bon, en fait, c'est simple, hein, t'as rien, hein, donc ça va. Ah ouais. Bon, allez. On continue. Donc ici, c'est bien pour faire des achats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder et vous allez voir ce qu'on va essayer de faire. On va essayer.
Sauvegarder. On va essayer de récupérer la boom bag. Et après, on s'arrêtera là, je pense. Je pense que la vidéo doit être assez longue. Je sais pas. Alors, on va essayer déjà. Ok. Alors. Alors, ici, ils vendent... Ah, bah, il y a la princesse. Ah, je vous trouve enfin, princesse. Je m'inquiétais pour vous. S'il vous arrivait quelque chose, j'en ai assez de vous entendre grogner. Avec vous, je n'arriverai jamais à trouver une aiguille platine. Princesse, je veux juste vous protéger. Il semble qu'il n'y ait pas d'aiguille platine ici. Où est Marcus? Je ne sais pas. Il en a peut-être trouvé une. Vous ne voulez pas venir avec moi? Je partirai devant. Non, je vous accompagne. Cet homme, je l'ai déjà vu quelque part. Donc là, bon, on a récupéré Daga déjà. Ah non, mais ça c'est pas pour booster. Ça augmente la vitesse, mais c'est pas booster. Je sais pas, j'ai confondu. Ah oui. Non, mais ça m'étonnait aussi qu'on puisse avoir booster si tôt dans le jeu. Mais bon. Donc ma mémoire n'est plus ce qu'elle est concernant certains objets. Alors, ah bah c'est bon ça. Compétence plus vie. Bon, on va que le mettre pour l'instant. Alors, on va rentrer. Les objets mis en vente sont cœur de griffon, coupe de Dorga, illusion d'Ouné, boom bag. D'abord, cœur de griffon, mise à prix 1000 gils. Voilà, donc là, c'est les enchères, c'est le cas. Donc, on va essayer de gratter la boom bag. Décider. Oh là là. Ah, elle veut pas la lâcher, hein. Ah, tiens, je t'ai eu. Donc j'ai acheté le cœur de griffon pour 4700 gils, de l'argent pas jeté par la fenêtre, mais en fait les objets, ben, je peux vous en parler le temps qu'ils enchérissent pour le prochain. Il y a une quête, mais c'est pas un secret en fait, c'est la quête pour obtenir Excalibur, je crois. Ouais, pour obtenir Excalibur. Et pour l'obtenir, il faut récupérer un certain nombre d'objets. Ces objets, ils se trouvent la plupart ici, hein, aux enchères. Donc, il faut le cœur de dragon, la coupe de Dorga, l'illusion d'Ouné et d'autres. Pour ça que là, j'ai enchéri. Oh, 6300, tiens, voyez quand même. Hein. Personne. Ah ouais, 6400. Putain, 6500. 6006, 6007, allez, 6008, c'est bon, personne, allez, la GG, 6008, la coupe de Dorga, le prochain c'est Illusion d'Ouné. Ouh, c'est cher, 2002 déjà, ouah, 3002, Bon, j'ai un peu du cash encore. Ah, 60 000. Bon. Et... 8 000. Ah ouais. Oh putain. Bon, quand je suis blindé, en général, je prends, j'envoie 15 000 direct pour les dissuader, mais... Oh que là, hein, il a l'illusion du dé.
11 300 gils pour cette merde. Même moi, je me demande pourquoi j'ai mis 11 500. Allez, c'est gagné. Bon, c'est celui-là le plus important. La boom bag. 4000, 4009. Ouais. Bon, de toute manière, je suis prêt à aller jusqu'à 50 000. Hein, donc, on va voir s'il y en a un qui va suivre. Hein. Enfin, remarquez, je sais pas si je les ai. Mais... Ouais, c'est un coup à 20 000, ça, non? Ouais, moi je dis mieux au 9. Ah, bah ça va, je l'ai pas touché cher. La boom bag. Allez, une petite pause. Bon, moi je m'arrache. Alors, quel est l'intérêt d'avoir récupéré ces objets? Pour l'instant, aucun. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, on en a 3. Le cœur de griffon. Le plus terrifiant, c'est cette âme invincible, donc de béate. Même si le corps est sans vie, l'âme ne meurt pas. Et la coupe de Durga, les hommes sollicitent la magie pour vivre, les hommes créent les rêves pour avoir vécu. Bon, on s'en fout, ça nous servira plus tard, c'est parce que l'occasion faisait le larron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la boom bag, elle est là. Et elle permet donc de se mettre auto-boomerang et donc de nous faciliter considérablement la tâche contre le Big Dragon que je ferai très bientôt, mais bon, ça aura plus trop d'intérêt, mais je le combattrai au moins une fois, histoire de vous montrer. Allez, on va sauvegarder si ce Kondomog il tenait un peu en place, on va lui parler, comme ça c'est bon. Je pense que j'ai pas... Ouais. Bon, il y a une partie de traîneau que je suis pas encore allé volontairement. De façon à ce que y aller dans la prochaine vidéo, hein, on aura un peu des choses à faire. Ouais, je crois que pour l'instant, on va se contenter de ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je ne vous aurai pas trop saoulé à trop parler. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de ressortir de la ville parce qu'il y a une grotte qui est pas loin de la ville, histoire que je vous montre quand même un peu la grotte. Et ouais, et après on finira traîneau, hein, on fera ça dans la prochaine vidéo. Très bientôt. Voilà, voilà. Eh ben, merci de regarder mes vidéos comme d'habitude. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous rendant sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube et de faire un don. C'est vraiment appréciable. Je vous en remercie par avance. Et bien sûr, sur ces belles paroles, je vous laisse. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.